Il y a quelques mois, en effet, notre petit mais efficace groupe CRCE vous présentait une proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Avec l'appui de notre rapporteure Catherine Di Folco et de son état d'esprit constructif, nous parvenions unanimement à poser une première pierre modeste mais nécessaire en faveur de la reconnaissance de ces femmes, car je le redis, ce sont à plus de 90% des femmes, indispensables à la vie de nos petites communes. Le couple maire-secrétaire de mairie est reconnu, vécu, comme le pilier de la vie de nos communes rurales, bien plus sans doute que le couple maire-préfet vanté durant la crise sanitaire. Ensemble, ils font vivre ces communes qui sont le premier, mais parfois aussi le dernier, des services publics dans nombre de nos territoires et qui, à ce titre, doivent faire face à des attentes, à des besoins toujours plus grands à mesure que l'État abandonne ces territoires. Lors de l'examen de notre texte, sollicité par tous les bancs de cet hémicycle, vous consentiez, Monsieur le Ministre, à poursuivre le travail de manière transpartisane. Nous prenions même date pour que le projet de loi de finances 2024 permette de concrétiser d'indispensables mesures salariales. En guise de quoi, nous voilà aujourd'hui devant une nouvelle proposition de loi portée par le groupe RDPI. La proximité d'élections sénatoriales y serait-elle pour quelque chose ? Alors, nous qui sommes tant attachés à l'initiative parlementaire, nous reconnaissons bien évidemment ce droit à chacun des groupes, fût-il d'inspiration gouvernementale. Mais nous pensions, peut-être un peu naïvement, que cette nouvelle proposition de loi à laquelle, j'imagine, vous avez apporté une petite contribution, Monsieur le Ministre, permettrait d'aller beaucoup plus loin dans la reconnaissance des secrétaires de mairie. Nous pensions que des mesures d'ordre réglementaire que vous avez le pouvoir de prendre, des mesures d'ordre salarial notamment, seraient mises à l'ordre du jour beaucoup plus rapidement. Nous pensions que le travail effectué par Cédric Vial, Catherine Di Folco et Jérôme Durin au nom de notre délégation aux collectivités territoriales serait mis à profit. Car au-delà de la légitime reconnaissance aux secrétaires de mairie, il faut lutter contre la pénurie que nous connaissons et qui risque de s'accroître compte tenu du départ en retraite prochain, même si vous en avez reculé l'âge, d'un tiers d'entre elles d'ici 2030. Cette proposition de loi, retravaillée par la rapporteure, va permettre d'accélérer la promotion interne des secrétaires de mairie, aujourd'hui majoritairement catégorie C, vers la catégorie B. C'est une bonne chose et nous ne mégoterons pas notre soutien à cette mesure. Mais on pourrait imaginer, si vous n'étiez pas si addict à l'article 40, que cela permette aussi à celles qui sont depuis de longues dates en catégorie B de rejoindre la catégorie A. On pourrait imaginer un plan de déprécarisation de la profession. La pénurie oblige à recruter des contractuels, mais rien n'empêche de travailler à leur intégration au statut de la fonction publique territoriale. On pourrait imaginer que l'amélioration du sort des secrétaires de mairie guide l'amélioration globale de la situation des fonctionnaires, notamment territoriaux, vous l'avez évoqué fort justement, Madame la rapporteure. Or, vous ne proposez qu'un point et demi de revalorisation pour le point d'indice, ainsi que des primes non renouvelables qui ne comptent pas dans le calcul de la retraite, mécontentant de nouveau l'ensemble des organisations syndicales, comme les associations d'élus, pas associées à la démarche, alors que les collectivités et leurs budgets serrés doivent concrétiser ces mesures. On pourrait imaginer, par exemple, lors de la présentation du programme France Ruralité, des mesures de compensation à l'égard de ces communes qui leur permettraient précisément de faire œuvre utile en matière de salaire pour les secrétaires de mairie. On est malheureusement encore loin de tout cela. Alors je ne doute pas que nous allons améliorer encore un peu les choses ici au Sénat, mais ne considérez pas, Monsieur le Ministre, que cela vaudra pour solde de tout compte. Bref, avec les pouvoirs dont vous disposez, vous pouvez faire beaucoup mieux. Je vous remercie.